Hey, coucou tout le monde, enfin re pour certains, parce que finalement je suis en train de me dire que ça fait trois lives que je fais aujourd'hui. Ça fait beaucoup, dis donc. j'espère que vous allez bien ce soir, que vous vous êtes bien reposés de votre soirée, de votre journée, enfin bref. De tout ça, ce soir je vous propose donc de découvrir un nouveau jeu, enfin un nouveau jeu. Non, il n'est pas nouveau, mais pour moi, il est nouveau. C'est My Time at Portia. Donc, j'y ai jamais joué. Donc, je vous cache pas que c'est aussi une découverte. Je l'ai même jamais lancé, là. Vous voyez, je suis pas plus avancée que vous. Et re-Thomas. Du coup, on va découvrir ça ensemble. Alors, il se peut que je fasse un petit peu d'ajustement au niveau de l'overlay, parce que du coup, j'ai laissé l'overlay habituel, ne sachant pas où placer ma caméra et tout ça. Donc, on fera peut-être un petit peu de ménage avant de commencer. Bonsoir Linette. Et puis bonsoir à tous ceux qui étaient là aussi, hein, que j'oublie personne. Rosa, Soso, Alexiane, Lise, Stéphie. Et puis Liantsu aussi sur YouTube. Voilà. Non, je vais. Si tu m'en veux pas, Rosa, je vais appeler mon premier personnage Crime. Hein. Si, je pense que tu comprendras. Et coucou, Jiwoo, désolé, le kid. Bonne année à toi. Merci, ben, bonne année aussi à toi. Bonne année à tous, hein. Ben, on va y aller du coup. Donc on va découvrir un petit peu ce nouveau jeu. Je ne connais pas, donc il y a de fortes chances pour que je fasse un peu. Ok, super, merci. Je suis contente de bien avoir prononcé ton pseudo. Comment dire? Voilà, il se peut que je fasse beaucoup de bêtises et que je rame un peu parce que je ne connais pas ce jeu, mais il a l'air tellement tout doux et tout mignon et tout ça. Et je me suis dit que pour commencer l'année, une petite soirée comme ça, toute douce, toute calme, ça pouvait être sympa. Je passe vite fait souhaiter une bonne année, une jolie découverte. Eh ben merci Luciole et bonne soirée à toi aussi. Alors, je suis donc une fille. D'accord. Non, je connais pas du tout. Donc on a dit que mon premier perso s'appellerait Crime. Alors c'est bien, c'est que si t'es un mec, t'as le choix entre toi, trois voix. Par contre, si t'es une fille, tu te démerdes avec celle-là. Si tu l'aimes, c'est bien. Si tu l'aimes pas, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a comme coupe de cheveux? Oh, j'aime bien les couettes. Oh, j'aime bien ça aussi, c'est mignon. On peut pas tourner, d'accord. Comment ça, on peut pas tourner? Oh, ça aussi, j'aime bien. Bon, j'hésite entre ça et les couettes. Bon, allez, ça c'est mignon. Alors, c'est dommage, c'est une plateforme beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup moins limitée aussi. Bah, je connais pas du tout. Non, mais c'est trop mignon. Alors, type de visage. Oui, voilà, c'est ça. Tout en douceur. Bon, allez, c'est celui-là, j'aime bien. Non, celui-là j'aime bien. Haut du visage. Ah, quand même, on zoome un peu. Ah oui, c'est. Donc, on est donc dans le CAS. Et on va créer un Sims. Forme des sourcils. Remorgane. Non, bah les yeux étaient bien comme ils étaient. Forme des yeux. Oui, j'aime bien en amande comme ça, c'est joli. Hauteur. Maintenant, on va aller. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Épaissement des yeux. Espacement, pardon. Bon, comme ça, c'était bien. Couleur des yeux. Alors, on va essayer. Moi, je suis plutôt dans le bleu-vert, n'est-ce pas? Donc, entre bleu et vert. Ouais, bah, il n'y a pas, c'est turquoise, d'accord. Bon, bah, on peut mettre deux possibilités, donc on va mettre bleu. Genre bleu comme ça.
ça. Genre bleu comme ça. Et la deuxième, un peu verte. Je vois pas la différence, moi, mais... Y a-t-il une quelconque différence dans la couleur des yeux? Je ne sais pas. Oui, je t'ai répondu, Gégé. Coucou. Et bonne année. Je t'ai répondu tout à l'heure, me semble-t-il. Ou alors j'ai répondu puis je ne l'ai pas envoyé. Ah si, non, je l'ai répondu. Il est parti normalement. Bon, c'est pas du tout les yeux que je voulais faire, mais enfin bon. Ouais, ce serait plutôt comme ça. Ouais, bah je verrai. Oui, alors tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, oui, c'est vrai, je... Mais j'ai un peu dormi cet après-midi, j'ai fait du live ce matin, enfin ce matin, enfin, quand je me suis levée on va dire, et après j'ai dormi un petit peu, donc... Eh, j'avais pas dit que je voulais l'appeler Crime, là, pourquoi elle s'appelle de nouveau Linda? Je m'en vais, voilà. Ah merde! Bah voilà, première boulette, on n'avait pas fini. Ouais, ouais. Bon bah tant pis. C'est dommage, on n'avait pas fini de... Oh, it's beautiful. Bon attends, puis peut-être qu'il y a moyen d'aller modifier après. C'est trop beau. Oui. Oh, merci, GG. Code triche, ouais, c'est ça. Voilà, attendez. Du coup, Crime. Ok, c'est moi. Comment vas-tu? Ouais, super. Ah, on voit pas les sous-titres. Attendez, excusez-moi. Ah oui, voilà. Mais je savais que j'étais pas bien placée. Excusez-moi. Comme j'ai jamais joué, je savais pas... où placer la caméra et tout ça. Donc... Ok, donc il va me montrer mon atelier. Ouais, voilà, c'est bon, c'est fait. La caméra est bougée. J'avais pas le retour. Je me demande à quoi il ressemble. Okay. Personne n'y a travaillé depuis que ton père a quitté Portia. Ok. Ouh là là, ça va être la galère. Ça, je le sens, ça va être la galère. Ok. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah oui, mais je peux pas utiliser ma souris. Très bien. Oui, je te suis, Presley. Excuse-moi, c'était juste le temps. Ouh, je rame un petit peu quand même dans le jeu. Par contre, je cours plus vite que toi, Presley. Alors, faudrait peut-être accélérer. Et donc voilà mon atelier, ma ferme quoi. Ma nouvelle maison. J'espère que je pourrai aller changer les vêtements, tout ça, parce que... Voici une lettre de ton père, il m'a demandé de te la remettre quand tu serais devant cette maison. Quand tu liras cette lettre, je serai déjà de l'autre côté du monde. Je suis désolée de ne pas pouvoir être le père que tu aurais aimé avoir.
tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps de te prévenir ou d'apprendre à m'occuper de toi. Et puis j'ai repensé à cet atelier. Ce n'est pas grand-chose, mais il te protégera du vent et de la pluie. Je te laisse mon manuel d'atelier dans lequel sont inscrites toutes mes méthodes. À toi de t'occuper du reste. Fais de ton mieux et profite d'une vie merveilleuse. Tu seras toujours ma plus grande fierté, père. Ah ouais, franchement, ça n'a pas l'air d'être le genre de jeu où tu te prends la tête, où tu dois combattre des monstres, etc. Juste voilà. D'accord, faut que j'aille. Ok, très bien. D'accord, faut que je passe deux examens. Ok. Donc on va aller voir un peu ce que c'est que ces examens. Pour pouvoir avoir le permis de construire, parce qu'apparemment c'est ça qui va nous permettre de... Ouais, c'est un espèce de Star... Ils disent hein, que c'est une sorte de Stardew Valley en 3D et tout, donc c'est quand même vachement sympa. Ok, demain. Ok, au revoir Presley, merci de ton aide. Allez, on est demain. Oui, il y a moins de latence sur... Il y a un petit peu moins de latence sur Twitch que sur YouTube. Je dois la réparer. Ok. Du coup, on est déjà demain. Oula! Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, mais elle a fait une roulade. Il faut que j'aille voir Presley. Ok, très bien. Réparer le trou. Ah d'accord, il me faut du bois que j'ai pas. Ok. Je peux pas dézoomer, non? Bon, bah, a priori, on va aller prendre la route qui est là. Qu'est-ce que c'est? Des gants usés, très bien. Alors attendez, je vais juste faire un petit changement. J'aimerais bien avancer avec la souris, moi. Parce que c'est moi, je suis un petit peu perdue. Hop. Elle balance un coup de pied dedans, quoi. Donc je veux avancer avec la souris. Voilà, très bien. Et je veux reculer avec la marche arrière. Aller à gauche avec la gauche et à la droite avec la droite. Très bien. C'est parti. Voilà, c'est bien mieux, dites donc. Ouh, ça rame un peu cette histoire. Alors, attendez. Parce qu'en fait, moi, j'ai une fenêtre de chat que vous ne voyez pas. Et qui apparaît du coup sur le... Merde, qui apparaît sur les différents menus. Qu'est-ce que c'est ? C'est toi qui viens d'emménager. Je m'appelle Sonia, très bien. On peut discuter. La plus belle ville au printemps, tout y est fleuri. D'accord. Eh bah ciao. Donc il nous faut trouver le machin du commerce. Ah, ça doit être ça. Ah ouais, du coup par contre ma caméra, elle est sur la minimap. C'est peut-être pas terrible pour vous. Attendez, je vais essayer de régler ça. Je suis désolée, hein, on fait un petit peu de bricolage en même temps. Mais comme j'avais jamais joué, je ne savais pas exactement où étaient les éléments. Je m'excuse. Hop là. Voilà. Ouais, on va voir si ça continue. C'est peut-être... Si la fenêtre du chat, on la voit. Non, c'est pas la même que vous voyez. J'en ai une autre, moi. J'en ai une autre. Donc, du coup, ça doit être là, le commerce. Oui, commerce. C'est écrit dessus.
C'est un plaisir de te voir, ok, c'est... Ah putain, mon chat il est gênant aussi par ici. Je sais plus où le mettre, par là. Bah, bien. Ah, la guilde du commerce, très bien. Ok. Ok. Fabrique une hache, une pioche et apporte-les-moi. Très bien. Ok, donc on va aller dans la nature chercher du bois, des pierres pour fabriquer une hache, une pioche. J'ai aperçu... Fabriquer les objets sur un établi dans le jardin. Ok. Donc on va aller dans la nature déjà chercher du bois, mais je suppose que pour couper du bois, il me faut une hache déjà, non? Je suppose. Qu'est-ce que c'est? Magasin de l'église. Non, mais je vais rien acheter. Bonne nuit, Camille. Repose-toi bien. C'est quoi, ça? Je sais pas ce que c'est, mais je récolte. Et du coup, si je m'approche d'un arbre... Non, bah, je peux rien faire. Ce qui est logique. Ah, mais là, il y a du bois. Donc maintenant, il me faudra... Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Oh, c'est trop mignon! C'est des lamas! Oh, c'est mignon! Mais on va pas aller leur chercher des noises. Hein. On va se détendre. Bon, on a du bois. Maintenant, il nous faudrait des pierres. Allez, par contre, chaque fois que je ramasse un truc, je perds de l'énergie, j'ai l'impression. Donc, il me faut des pierres, des pierres, des pierres. Non, mais c'est trop, trop mignon. Ils sont trop beaux, les lamas. Bonjour, les lamas. Ah oui. Je veux un lama. Est-ce qu'on peut adopter un lama? Oui, est-ce qu'on peut ramasser des pierres? Là, où on trouve les pierres? Je suppose que les pierres qui jonchent le sol doivent pas non plus... Ça doit pas courir les rues, hein. C'est ça, c'est quoi, ça? Je peux attraper un lama. Oh là là, trop fort. Bon, on ira attraper un lama plus tard. Pour l'instant, je vous avoue qu'on cherche des pierres. Alors, où est-ce qu'on trouve des pierres? C'est quoi, ça? Bon, c'est pas des pierres, je sais, mais... Ah non, c'est trop bien. J'adore. C'est trop mignon. Je vais aller vivre là-bas. Et ça là-bas, c'est quoi? C'est un monsieur. Oui, on parle au monsieur. Puis là, il y a une pierre, mais on peut pas les ramasser, les pierres. Comment ça, j'ai pas le droit d'enlever les pierres du chemin? Hein? Le jeu, hein? Je suis pas sûre. Puis d'abord, c'est pas des moutons, c'est des lamas. GG. Je m'appelle Kiwa, je suis plus jeune des frères Ulu, nous sommes 7. Ah ouais, d'accord. C'est quoi PFC? On va pas se battre avec lui tout de suite. Mais je veux pas pêcher. Je veux des cailloux, bordel, je crois que je vais trouver à les acheter, mais... Mais quel sou, quoi. Oh, il y a une voiture. On va aller voir ce qu'il y a dans la voiture. Allez, je crois que je peux sprinter. Allez, cours forest. C'est un bus. Même le bus, il est trop mignon. Qui va m'écraser d'ailleurs. Bon, bah, allez, on monte dans le bus. Si quelqu'un voit des pierres, il crie. Hein. Je peux pas reculer la caméra là. Qu'est-ce que c'est? Non, on va descendre. On peut pas descendre. Descends.
Bon, ça me dit pas où je trouve. Où je trouve des pierres, moi. On va essayer de... Sinon, on va plus vite que le bus. Comment ça se passe? Putain, c'est pas bien compliqué de trouver des cailloux par terre, quand même. Non, je sais pas. Si c'est que ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est l'arrêt de bus. Oh, bien sûr. Oh, il y a des cailloux là-bas. On va aller voir si on peut les ramasser. Oh. C'est quoi ça? Oh, c'est des chauves-pandas. Oh, j'en peux plus. Chaque fois, alors je vais être en béatitude. Bon, et alors, ils sont là, les cailloux, on peut pas les ramasser? Moi, je crois que je vais devoir aller acheter un truc, en fait. Oh, c'est cool, ça. Puis, ils viennent tout seuls dans mon sac. Bon bah on va aller acheter des pierres, je crois pas. Ah attendez, non, c'est un chauve-panda aussi. Et la petite pierre, je peux pas la ramasser? Non. Bah non, je peux pas ramasser les pierres en fait. Bon, allez, on va retourner au village. Faut des petits cailloux, mais j'en vois pas des petits cailloux. Oh, les coccinelles. Monsieur coccinelle. J'en vois pas des petits cailloux. Ils sont cachés. Bonjour, je cherche des petits cailloux. Non, bon, allez, on va retourner au village. Et puis, on va voir si on peut acheter des cailloux, quoi. C'est même dommage. Faut juste acheter des cailloux, enfin bon. On va pas parcourir la terre entière. J'adore les animaux, ils sont trop beaux. C'est pareil, on va vendre des choses. Hey, coucou Mélichel. Il y en a vers chez moi. Ah, on va aller voir alors. Il commence à faire nuit là. Attendez, je voulais juste faire un truc. Attendez une seconde, excusez-moi. Je viens de penser à quelque chose là. Ah, dommage. Hop. Alors, vers chez moi. C'est où vers chez moi déjà? Bonjour les lamas, vous auriez pas vu chez moi? Je sais plus où j'habite. On peut pas voir la carte? Ouais. Je suis où là? Ah, je suis là et ma maison elle est là. Très bien. Donc, toujours tout droit. Allez, on est parti. Il est pas sur Mac. Ah mince. Ah bah je suis déçue pour toi. Alors bah, déjà que j'y voyais rien dans la journée. Est-ce que dans la nuit je trouve des cailloux? Alors. Ah oui, des cailloux, merci. Voilà des cailloux. Super, super. Ça sert à rien d'aller les chercher loin. Là, oui, pardon. Ah, j'ai du courrier aussi, dis donc. Alors, cher nouvel abonné. Ok, très bien, merci. Très bien. On va les ramasser. Et on va aller fabriquer ce qu'on doit faire. À mon avis, il fallait le faire avant qu'il fasse nuit, mais bon. Donc, il nous faut une hache basique. Pierre 10 sur 8 et une pioche.
Donc comment on fait? Ah, fabriquer. Confirmer. Et du coup, j'ai plus assez de pierres pour fabriquer la pioche, j'imagine. Ouais, il me manque des pierres pour la pioche. Trouvons des pierres. Des petites pierres. Ah, puis j'ai plus de place dans l'inventaire. Bon, ça, c'est du bois. On a dit les pierres, c'est sur les chemins. Hop, droit devant. Hop. Par contre, et si on mange? Qu'est-ce qu'elle fait? On peut pas la manger. Ah si, on a gagné de la fortitude. Très bien, bah mange tout parce que j'ai plus de place alors. Voilà, merci. Allez, on y va. Hop. Et donc là, on va fabriquer la pioche. Très bien. Voilà. Et on n'a plus qu'à retourner au commerce, là, ou je sais pas où. Et on a réussi le premier test. Et bien, ce ne fut pas sans mal. Hein. Hop. Mais j'adore, c'est trop mignon par contre. Oh, les animaux. Ah, c'est fermé. Bon, bah, on va rentrer dormir, ce que je te dis. C'est pas... Tant pis. Rentrons à la maison. Ça va, on n'est pas trop loin. On n'est pas trop loin de la ville, quand même. Ah, non, c'est trop mignon, j'adore. Est-ce qu'on peut réparer le trou? Non, on verra après. Alors. Bah, dormir. Hein. Allez!